Oh yeah, enfin! Enfin! Enfin, on va pouvoir finir la partie de Léon. Salut à tous et à toutes. On est reparti immédiatement, j'aimerais finir ça vite, ce serait cool. On était donc la dernière fois dans le laboratoire il y a. Ouah, il y a super longtemps, il y a 4 jours au moins. Dans le laboratoire donc. Et bon, on devait tout simplement finir l'endroit. En améliorant le bracelet d'identification pour avancer. Oui, je devais faire le sérum. Donc on va commencer par un aspect de gameplay super relou. Puis il va falloir faire le sérum et le refroidir. En principe, j'ai cramé les arbustes. Pas tous, mais une bonne partie en principe. On lance flamme. Ok. Donc ici, c'est fouillé, c'est bon, il n'y a pas de soucis. Ah oui, c'est vrai. Salut. Ça va? L'hypothèse des températures, blablabla. Donc du coup, il faut que je remonte. Ici. On est où niveau munitions? Bon, ça va en fait. Regardez-moi ce lance-flamme parfait. Aidez-moi. Ah oui, c'est vrai que j'étais mort entre deux. Ceci expliquant cela. Ok. Une grenade. J'avais nettoyé tout ça donc. De la poudre. Bah. Ah oui. Bah non. Ah putain, mais c'est encore condamné, mais putain. Putain. Je sais plus vraiment où est-ce que je m'étais arrêté. Enfin, qu'est-ce que j'avais récupéré, qu'est-ce que je n'avais pas récupéré. Ah, oh, mais dis pas que j'ai oublié l'objet, ça me pèterait les couilles. Bon, on va regarder. Donc, le labo de Médoc, voilà. Et nique tout. Bah attends, j'essaie de me rappeler où est-ce que j'en étais. Donc j'ai la cartouche, ça y a pas de problème. Attendez, je dois gérer mon thé aussi parce que sinon il va être amer. Bah, de toute façon, il va être amer. Ça fait déjà 6 minutes qu'il est dedans au lieu de 3. Donc ça, je l'ai fait. Ok. Oh là là, mais putain. Le connard. J'avais pris la boîte de réception. Il y a le journal de repos, mais on s'en fout. Où est-ce qu'on a le code? Où est-ce qu'on a le code? Je me rappelle plus. Où est-ce qu'on a le code de ce truc-là, là? L'espèce d'hélice, là, la double hélice de mes couilles. Il y a une salle ici, on va s'en servir. Je pensais que t'étais mort, toi. Oh! Ok, on se re... Il meurt pas définitivement. Même quand on les brûle. À moins que je les avais pas tués, mais c'est ça. Alors. Est-ce que la double hélice, je l'ai? Est-ce que j'ai récupéré la douille? Oui, il est là. Hop. Salut Tekali. Bonjour.
Donc, du coup, tac, examiner. Non, pas combiner, examiner. Hop. Tac. C'est à la fin. Ok. Tac. 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 Nice. On gagne un temps fou. Ça, on peut le jeter du coup. Hop. Apparemment, mais apparemment ça ne marche pas. On lui met le produit et là ça va être le moment rigolo. Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Je me rappelle plus. Ok. C'était plus rapide que la première fois. Et merci pour tes qualifs pour le host. Et salut Ben, je crois que c'est Ben. En fait, ton pseudo, j'ai du mal à le lire sur le truc Twitch. Ouais, c'est ça. Salut Ben. Comment vas-tu? Faut que je coche le truc en mode lisible. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Par le truc de refroidissement, mais ah. Ok. Ça va, on va finir, donc c'est cool. Cooling sequence in progress. Pas parfait tout ça. Merci bien. Cooling complete. Ah, on est complet. Parfait. Bonjour. Ah, il fait froid. C'est vous qui fait pas chaud. C'est l'hiver. Bonjour. Poussez-vous, excusez-moi. Ah, j'ai entendu un bruit. Ah, bonjour. Il y a l'étage, non? Non.
avait un mec au-dessus de moi, je crois. Qu'est-ce que je fous là? Hein? C'est ça la question. La vraie question que tout le monde se pose. Oh là là. Oh là là. Ils se sont tous transformés en sorte de plantes, censés être brûlez-les. Casse-toi. Qu'est-ce que j'ai eu besoin de passer par là? Hein? Pour prendre ce raccourci de merde. Je vais vraiment le dernier les connards. C'est pas grave. On a assez de heal pour une vie entière. Je vous rappelle que j'ai accumulé tellement de heal qu'on sait plus quoi en foutre. Et que j'ai un magnum. Oh. Tac. J'ai même du spray. Ça, c'est cool. Regardez-moi ce spray. Délicieux. Combiner deux pour avoir des balles de magnum. Oh, j'en ai assez des balles de magnum. Ok. Déposer. Déposer. Ça, on va le mettre là. Et comme ça va commencer à puer du cul, hop. Ok. Carburant. Carburant, c'est cool. On va en mettre. Un autre mélange, parce qu'on sait jamais. On regarde vers le haut, tout ça. Et on est reparti. Ah bah ouais, mais je suis obligé de passer par là en fait, c'est de la merde. Tout va bien. Bip bip bip. Bon, je vais passer la scène parce que c'est juste la dispersion du produit. Et là, donc, va falloir récupérer le truc de la serre. Warning. You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been locked and you may be subject to disciplinary measures. Oh, il y avait un truc derrière moi. Holy shit! C'est compliqué. Ok. Donc ça one shot. J'ai peut-être un peu paniqué du fait d'avoir vu Mister X et je l'attendais pas du tout. Bien joué le jeu. Je l'ai pas vu du tout arriver. Du coup, j'ai encore le produit. Ok, le badge et tout. Okay. Dispensing. That did the trick.
évidemment il va me suivre jusqu'au bout de ma vie. Ok. Alors, combiné. Ah, tout va bien. Du coup. Mais quel enfer! Ouais, comme tu dis. Comme tu dis. Après, j'imagine que comme il est là, c'est lui que j'ai affronté. Mais il n'y a pas de raison. Putain, mais sérieusement, il me colle au basque, hein, c'est ouf. Hein. Comment il me colle au cul, c'est ouf. Bip bip. Génial. Ah oui, c'est vrai, la fameuse cassette. Blabla, cassette. Et donc ici, le dernier. WS. Ok, donc on remet le cours. Heureusement qu'il y a ça. Du coup, grenade. Grenade, ça m'a sauvé le cul plusieurs fois. Le gros calibre, il est là. J'ai des balles pour le magnum. J'ai un Matilda, mais je m'en fous. Je vais devoir faire ça. Plus ça, parce que ça me paraît bien. Un autre poudre noire. Avec ça, parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis ensuite, on fera ça et poudre grande quantité, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc on va faire combiner. Tac. D'accord, je viens de faire n'importe quoi. Bah. Ah oui, donc de toute façon, j'aurais pas pu en avoir, donc c'est pas un problème. Hop. Ok. Je vais en garder un peu quand même. Ça, on peut les accumuler, donc on va les garder sur nous. Le modulateur de signal, c'est ce que je voulais. Ça, examiner. Hop. Ouais, ouais. Impec. Bip bip. Formidable. Est-ce qu'on a besoin? Non, on le jette. Parfait. Hop. Est-ce qu'on regarde la vidéo de la cassette après? Parce qu'on sait jamais. C'est exactement la même chose que dans le... celui de... de Claire. Test. Ici. Il y a encore une grenade là-bas. On va aller la chercher. Ça me coûte le temps. Ah, formidable. Je peux cracher sur des grenades. Le coffre objet, le magnétoscope. C'est parti pour le magnéto. Magnéto Serge. Je vous préviens, si c'est la même vidéo, on va la passer. C'est la même vidéo. So those were G-samples. Donc ça, on peut déposer ça. On va combiner. Hop. Mais ça, c'est la balle pour le pistolet. J'ai tellement le seum. Ah, il reste encore des trucs d'ici. Bonjour. Bonjour. Faites pas attention à moi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous me cachez des choses? Oui.
petite plante bleue. Bonjour. De la poudre. Il n'y a plus rien ici. Wesh, ouais. Come on! Come at me, bro! Il va me choper la gueule, 100%. Ah, le bras, les yeux, la tête. J'ai dépensé sans compter. La petite save avant le boss. Ok. Des bisous, Midona. Du coup, je mets ça là. Et du coup, j'ai dit que je ferai sûrement des poudres de. Enfin, des balles de magnum plus tard. Donc, ça, ok. Là, on est bien. Ah! Parfait. Encore de la. Ok. Pas du tout abusif. Ok, donc là, j'ai tout. Et donc l'échantillon du virus. All right. Now back to Ada. Pardon? Oh merde, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Excusez-moi, j'avais oublié ce procédé d'autodestruction. Alors, il va venir du ciel aussi pour essayer de me choper le cul, j'imagine. Bonjour. William. He's mine. This has to end. What the hell's going on? Sorry, William. You left me no choice. J'aime bien cette scène, donc je vais la laisser. On l'a pas vu avec Léon. Call this thing William. Why? It shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. You're Umbrella too. You're telling me you weren't involved in this. Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. On n'avait pas vu son injection. On n'avait pas vu l'injection, je crois, avec Claire. Good God, William. Je l'ai pas vu, je l'ai vu se relever, mais j'avais pas vu l'injection. J'ai peut-être pas fait gaffe. So you made this monster. We made the G-virus, but we never intended this. Spin it any way you want. You're still responsible. Inutile de vous dire que cette fois-ci, j'ai pas de lance-grenade. Non, ça sert à rien. Ah, je pouvais pas reculer? Ah non. Shoot.
Merde. La Tilda, c'est bien aussi, hein. Les couilles avec la taille qu'il fait. Ah ouais, déjà. Ah, je suis déjà bien dans la merde en fait. Mais j'arrive pas à l'esquiver quoi. Bon, c'est bon. J'arrive pas à tirer sur son bras quoi. J'arrive pas à tirer sur la plus grosse cible de son putain de corps. Ça va le faire. Si j'arrête de faire n'importe quoi avec le fusil à pompe. Du coup, blabla, blabla, magnum. Hop. Bon, après, j'imagine que. Tac, plus fusil à pompe, ok. J'ai de la grenade, peut-être que ce serait bien de l'utiliser. Super.
Merde. Ok. Ah, mais il y a beaucoup de munitions, on va les chercher. Quand même dommage de s'asseoir dessus. Ok, on a tout. Donc c'est le moment où on recharge tout ce qu'on peut. Ok, même sa vie. Voilà. Ok, c'est parti. Jesus. That looks bad. Feels worse. Je pense que tu peux te retrouver en galère de balles, hein. C'est juste que là, je suis en normal. Just tell me you'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. Uh-huh. She's a mercenary. She's gonna sell it. G virus is gonna go to the highest bidder. Révélation. Bullshit. I hope you're right. Donc là, le scénario change du coup. But if the G virus gets into the wrong hands, pourquoi t'aurais menti alors qu'elle a deux doigts de crever? Bon, c'est parti. Oups. Attendez, avant d'avoir le chrono, vaut mieux se blinder. Alors du coup, donc on a de quoi recharger ici, ça on en a encore besoin visiblement, on a une grenade, qu'est-ce qu'on a d'autre? De la poudre en grande quantité, de la poudre jaune, des plantes. Alors déjà ça on va combiner avec ça pour avoir des balles de magnum, la poudre noire c'est pareil, on va la combiner parce qu'on a besoin de ces balles là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Le déposer à la place, on va prendre le Martilda. C'est pas les balles pour Matilda, ça? Ah non, c'est les balles de gros calibre. Ah bon, on s'en fout du coup. Du coup, on va rester au M19. My bad. Ça, on va le déposer. Ça, ça se combine. Ça, on va le déposer. On a quand même cette grenade au bout d'un moment. Munition pour pistolet. Ça m'emmerde un peu, ça. Ouais, voilà, il y a du parabellum ici. Qui veut la paix, pas par la guerre. Euh...
Bah, ma foi, on est plus que bon en fait. Je peux pas faire plus de munitions de bébons. Super. Donc on va prendre ça parce qu'il faudrait bien que ça serve un jour. Est-ce qu'on prend un couteau? Non, je crois pas que ça soit nécessaire, on sait jamais. Pellicule de plantes, ça on va le prendre aussi. Ça on va le prendre, mais pour l'utiliser immédiatement. Hop, c'est parti. Attention, self-destruct sequence initiated. Use the central elevator to evacuate immediately. Ah tiens, elle avait accès à ça, elle. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G-sample when we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Oh, Leon. Drama? Why couldn't you just hand over the sample? I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. Le pont, il s'effondre. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just. Vous avez vu comment il se met en garde? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine. So drop that damn gun. I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. You shoot me. But I don't think you can. Tu présumes de tes forces. Mais tu tires mal. Ah. Rip. Relève-la. On en a besoin dans Hero 6. Je suis en scénarium. Ne t'inquiète pas, Léon. Nous nous reverrons. Enfin, j'espère. Take care of yourself, Leon. Peut-être que dans le remake, elle est vraiment morte. Oh, le drame. Peut-être que dans le remake, elle est vraiment morte. Peut-être que la ligne de RE5 et RE6 n'existe pas. Hein. Oh là, oh là, oh là. Faut me prévenir quand vous faites ça. Regardez-moi ce magnum, regardez-moi la taille de cet engin. Oh là là. Oh là là. Oh là. Oh là là. Oh là là. Super, une minute d'ascenseur. C'est clair.
too! Yeah, but the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Et là, on retombe sur la vraie timeline. Damn it. Oh. C'est moi où on entend un peu la musique, le thème de Monsieur X. Hey, la 20e et la dernière save. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrache. Oh non. Oh bâtard. Mange. Oh il est. Oh shit! Oh oh! Château! Ah merci! Re-château! Il y a l'air d'avoir énormément de munitions sur la route. Mais je suis pas certain. Ouais. Oh ! Prise double. Que veux-tu que je fasse ? Ah oui, prise double. D'accord. Heureusement que j'ai de la place. Quelle journée de merde! Aïe! Oh, la musique est trop cool! Terrible.
Oui. Oui. Oh merde. Oui, le bazooka. Ah, vraiment Ada se sent de sortie. Saloperie. Oh merde, c'est pas fini. You have arrived at the bottom level. J'ai pile à 7 balles de Magnum. Oh shit. T'inquiète pas, c'était un flashball. Oh, cette fin avec Léon. Plus jamais je prends le métro. Plus jamais. Ils sont cinglés ces Parisiens. I can't believe I actually miss her. I said we would. Who's this? This is Sherry. Okay. Jesus. Évidemment. What was that? I don't know. I'll go. You take care of Sherry. Et c'est jamais fini. Alors qu'est-ce qu'on a? État des lieux des munitions. Du Magnum. On a un lance-flamme qui est presque plein. Ok. Avant-dernière. Mais c'est jamais fini, putain! On leur dit qu'ils ont pas le droit de manifester, ils reviennent à chaque fois! Bordel de merde! Alors, couteau. Non. Ça, je vais avoir assez. Est-ce que j'ai de la poudre haute que celle que j'ai actuellement? Oh, puis merde. Hop, combiné. Voilà, on va se faire des balles comme ça. On va prendre Mathilda. On va prendre des balles de pistolet. Et on va bourrer les balles de pistolet. Juste au cas où. Voilà, il n'y a plus de munitions pour celui-là, de toute façon. Hop. Alors.
Alors. Un couteau. Ah d'accord. On va peut-être en avoir besoin finalement. Elle vient ici, poulette. Holy shit! Oh mon dieu! On panique pas! Regardez-moi cette chose. Cette vision des enfers. Merci le Magnum. Cette année encore, il y a quelque chose de pourri au pays de Disneyland. Bien vu, Tekai. Dans un endroit fermé, on va dire que c'est pas roleplay. Et Léon vient. Pour nettoyer tout ça. Et ben voilà, il n'y a plus de balles de Magnum. Boyfriend and girlfriend? No. We're just... Oh, we actually just met... last night. Yeah. That would have been one hell of a first date, though. Yeah, you have no idea. Look! He might be able to give us a ride. What if it's not just the city? Get Sherry out of here. Come on. Et là, il sort son Magnum. Nicky Larson, Nicky Larson. Oh le bâtard! Hey, that was live another day by the grave. He was friendly. So, is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're damn right we will. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. Lol. Viens faire sa mère. A puppy. And a parrot. Parrot. I always wanted pets, but my mom said they're too messy. Maintenant elle est morte. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping. Eh bah putain! Vraiment pas mal. Vraiment pas mal ce remake. Il m'a vraiment ambiancé de A à Z ce jeu. C'est vraiment très très cool. Franchement, si vraiment ils font le Resident Evil 3 en remake, que tout le monde va attendre et qu'ils vont forcément faire,
je signe direct, hein, sans réfléchir. Hein. Et je vous encourage, pour ceux qui aiment ce style de jeu, à signer direct. Hein, c'est vraiment très très bien. Hein. C'est vraiment super boulot. Les crédits parce que je les ai coupés la première fois. Ouais, non, ils ont vraiment créé une ambiance, c'est vraiment beau, les effets d'ombre sont vraiment cool. Ce que j'avais trouvé très très brouillon dans Hero 7, même si je l'ai pas fait, je l'ai vu jouer, hein. je l'ai vu de A à Z, hein. Je parle pas en connaissance de gameplay, mais moi il m'avait pas du tout attiré, il m'a très du tout fait de l'œil Hero 7. J'avais pas de zombies en fait, j'avais un. Enfin, j'ai pas trouvé ça dingue, j'ai trouvé ça beau, mais pas ouf. L'histoire de la vieille famille reculée dans son chalet de merde. Mais alors ça retourne aux bases et ça nous montre clairement le jeu qu'on aurait joué en 98 s'il était sorti maintenant. Quoi. C'est vraiment super bien. Quoi. Là l'ambiance marche vraiment quoi, et même tout le côté crescendo what the fuck qui était assez mal maîtrisé je trouve dans le jeu d'origine, là je trouve que ça se tient vachement bien. Alors il y en a qui vont râler sur le fait que en effet les deux scénarios entre Claire et Léon ils se croisent pas en fait, ils se chevauchent en fait, ils s'écrasent même l'un l'autre. Donc on va dire que par exemple avec la mère de Cherry, elle peut pas mourir deux fois au même endroit et juste deux fois le même truc. Il y a des trucs qui se recoupent pas en fait. Il y a des trucs que tu refais avec Léon et ça n'a aucun sens si tu te dis que les deux ont coexisté. Mais c'est comme ça qu'ils font leur chronologie, c'est toujours comme ça qu'ont été faits les Resident Evil, donc ça ne choque pas en fait. Le fait que le scénario bis nous fasse refaire des choses avec Léon, sans trop prendre en compte que Claire est déjà passée par là et l'a déjà fait, ça me dérange pas. À partir du moment où vous acceptez ça, ce post-story de départ, que c'est pas vraiment des scénarios miroirs, mais c'est des scénarios qui se chevauchent, il n'y a pas de souci. J'ai vu à droite à gauche qu'il y a des easter eggs assez sympas qui sont dans le jeu un peu qui changent pas grand chose mais qui sont des easter eggs que vous pouvez trouver sur internet, notamment aussi tout le travail de réaction de zombies qui est sympa aussi, de comment ils ont fait comment les zombies réagissent etc aux différentes situations, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui ont fait des tests là dessus on les voit sur YouTube etc, c'est très instructif. Et je remercie bien sûr l'éditeur de ne pas avoir fait bloquer les cinématiques du jeu, parce que là ça me permet de le streamer en entier sans passer par Avermedia, en passant directement par la PS4. Et vous, ça vous permet de l'avoir l'expérience en intégralité, sans avoir besoin de matos de fou pour le montrer quoi. En tout cas c'était très très cool. Hein. Et puis quand on se dit qu'ils vont s'améliorer, parce qu'on sent bien qu'au niveau de la physique des personnages, c'est pas évident de pas se retrouver dans une espèce de malaise à cause des visages. Là ils ont trouvé un bon équilibre je trouve. Plus de réalisme, ça rendrait le truc un peu chelou au niveau des textures de visage. Là je trouve qu'ils ont trouvé un joli équilibre. Et dire qu'ils vont s'améliorer dans les effets d'ombre, etc. Et sachant que moi je suis sur une PS4 simple, pas une PS4 Pro. Et que vous l'avez eu vous en 720p quand vous avez regardé, donc le jeu est beaucoup plus beau en vrai évidemment.
Ouais, s'il continue dans cette lignée-là, on aura enfin le retour de Resident Evil sur le devant de la scène. Hein. Des choses qu'on avait beaucoup perdues. Hein. Je trouve, en tout cas. Oh, ils m'ont réconcilié avec la série, clairement, avec ça. Et c'était vraiment pas évident, moi qui regarde avec un œil médisant les Resident Evil depuis après le 3 en fait, depuis après Code Veronica. Bah, ils ont réussi à me réconcilier avec ça en fait, et ça c'est cool, je suis très content. Petit gros point négatif que tout le monde a dit et que je confirme, les musiques originales du jeu de 98 en DLC payant, pas cool, pas cool. Et voilà, 6h38, bon c'est un rancé évidemment, on a traîné du cul, on a fait 21 sauvegardes, mais moi j'en suis heureux, ça me va. Parapluie trouvé. Et donc maintenant voilà, on va avoir accès à plein de choses, la tenue de Léon, choix de tenue normale, la campagne de Claire Bis qui a été débloquée, le mode additionnel, le quatrième survivant, je sais pas ce que c'est, je vous avoue, la cinquième forme du virus G. Et le tyran S et le lance-roquette anti-char évidemment. Et Robert et Emma Kendo, donc c'est bien les Kendo, c'est bien, c'était bien le mec de l'armurerie du coup. Et donc du coup évidemment, oh il y a des défis hebdomadaires. Je vais regarder ça. Bon, vous pourrez pas le voir apparemment, mais je vais regarder ça. Bon, on va seulement m'entendre. Je vais essayer de vous écrire ça. Oh là là. Faut entrer sa date de naissance et tout, mais vous êtes relou. Si j'ai démarré le jeu, c'est que... Êtes-vous majeur, monsieur? Oui, je suis majeur. Fous-moi la paix. Weekly Challenge. Undamaged Goods, Pacifiste. Et le quatrième survivant, Early Armed but Dangerous. Alors, dans le premier, il faut faire un scénario sans tuer plus de 7 ennemis. Et finir le jeu en standard ou en hardcore. Dans le deuxième, il faut prendre moins de 5 dommages et contre-attaquer moins de 3 fois. Et finir le jeu. Et dans le troisième, il faut pas utiliser le shotgun, le chemical flamethrower, le minigun ou le M19. Et autre chose que je ne connais pas. Ok, donc c'est des défis par mois, mais c'est plutôt intéressant en fait. Bon, c'est sympa, ça m'intéresse pas plus que ça, mais c'est